is a familiar name to many, but it's much more than just the luxury brand. Yves Saint Laurent is a creative genius who revolutionized the world of fashion. Yves Saint Laurent began his fashion legacy at the age of 18, becoming the assistant of Christian Dior. Monsieur Mathieu Saint Laurent. Bonjour Monsieur Dior. Bonjour. Jean-Victoire. Je ne vois pas comment vous comptiez resserrer la taille sans cintrer davantage. Oui, bien, si je peux me permettre. Comment trouvez-vous, mademoiselle? Moi, j'aime beaucoup. Confusing both Saint Laurent and his mother, Christian Dior stepped down as head designer of Dior, giving Saint Laurent the position at merely 21 years old. This decision was only the beginning of Saint Laurent's big impact in the fashion world. Et enfin, la direction artistique sera confiée à Yves Mathieu Saint Laurent, l'assistant de Christian Dior. Vous ne vous sentez pas trop jeune pour diriger la plus grande maison de haute couture française? Je ne sais pas encore. Et peut-on savoir ce que vous comptez faire pour votre premier défilé? Ou bien je ferai de mon mieux, naturellement. Et je m'enfermerai dans ma chambre, nuit et jour, afin de dessiner. Comment vous sentez-vous maintenant? Je ne peux pas dire tout ce que je ressens. La tristesse, l'angoisse, la joie aussi, la fierté. La peur de ne pas réussir, aussi. Mais je ferai de mon mieux, et ce, jusqu'au bout. Ça, je peux en faire le serment, oui. Saint Laurent was fired from Dior in 1960 when he refused military service. Although it was hard for him at the time, losing his job allowed for him to open his own fashion house of Yves Saint Laurent with his lifelong partner Pierre Berge. This fashion house was where he exhibited his greatest work with his most iconic collections. This collection was from his autumn 1965 collection, which introduced the lace-smoking tailored tuxedo suit. His suit for women was one of his most revolutionary ideas, transforming the silhouette of a woman with the image of a sleek, form-fitting pantsuit. For a woman, lace-smoking is an indispensable garment with which she finds herself continually in fashion, because it is about style, not fashion. Fashions come and go, but style is forever. Qui auriez-vous aimé être ?
un beatnik. Quel est votre idéal de bonheur terrestre? Dormir avec les gens que j'aime. Le comble de la misère. La solitude. Où aimeriez-vous vivre? Au soleil, au bord de la mer. Quel don aimeriez-vous avoir? La force physique. Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence? La trahison. Quel est votre peintre préféré? Picasso. Quel musicien? Bach et les musiciens du 19e siècle, d'opéra. Et quels auteurs à part Proust? J'aime tellement Proust que c'est très difficile pour moi de le partager avec d'autres écrivains. Quelle est votre couleur préférée? Le noir. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout? Le snobisme de l'argent. Et avez-vous une devise? Je permettrai de prendre celle des Noailles. Plus d'honneur au singulier que d'honneur au pluriel. Saint Laurent was the first living designer to receive a solo exhibition in New York's Metropolitan Museum of Art in 1983. He was also the first French courtier to come out with a ready-to-wear line. Saint Laurent is controversial. He's a rebel, always forward-thinking. His avant-garde mindset was what gave him the title as one of the greatest designers of all time. Saint Laurent leaves behind a legacy that is so dominant. His creative ability and his interesting personality fuse into such a humbling masterpiece. From his signature silk blouse to the beatnik look, Saint Laurent is one of the most creative geniuses of all time. Tout mon amour, parce que c'est toute une vie et c'est une vie d'amour. Dans une maison faite sur l'amour. Et je crois que dans mes collections, j'arrive à exprimer ce qui m'est le plus précieux, l'amour d'une femme.